petite vidéo très rapide sur le pommeau de vitesse de la voiture. Donc si vous voulez le changer ou si vous voulez savoir comment le dévisser, je vous montre ça tout de suite, d'accord? Donc, hop, je vous mets la caméra correctement. Donc, très très simple en fait, il y a trois éléments. Le pommeau, vous avez la bague en caoutchouc. Et vous avez le cerclage avec deux clips ici et deux clips là. Première étape, c'est pas un pommeau de vitesse avec des vis, hein, donc ça va être très simple. Vous retirez d'abord la bague en caoutchouc, vous tirez comme ça, d'accord? Hop là, pour qu'elle se dévisse au niveau de l'insertion du pommeau. Ensuite, tout simplement, vous tournez. Voilà. Et voilà. Votre pommeau de vitesse. Ensuite, pour le cerclage, vous le prenez un petit peu sur les côtés, vous tirez vers vous tout en jouant un peu de chaque côté, d'accord? Ça va venir tout doucement. Forcez pas, hein, si les clips y pètent, vous êtes bon pour tout racheter. Hop! Et voilà. Encore un petit là. Voilà, d'accord? Vous avez des clips un peu partout qui viennent s'insérer directement dans les encoches, d'accord. Donc je vous mets un petit coup d'œil rapidement le mécanisme à l'intérieur, d'accord, c'est quand vous passez vos vitesses. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Si vous voulez changer votre pommeau de vitesse, c'est vraiment très très facile. Donc, pour le remettre, opération inverse aussi, hop, on repasse la bague, on fait bien attention aux crans, de bien les mettre en face des logements. Hop, ça se clip. Ensuite, on remet le pommeau, on le tourne, on force pas trop, on fait un petit tour, hop là, et après pour la remettre, je vous conseille de remettre la bague d'abord par ici, en caoutchouc, et de l'enfiler après à la fin par ici, d'accord? Et voilà, donc comme vous avez pu voir, c'est très simple. Donc si vous avez n'importe quel problème ou pour n'importe quelle raison vous voulez enlever ça, opération très facilement réalisable. Voilà, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.